Les scandales de la foire sont si nombreux que nous ne parvenons pas à tous les dénoncer malgré un travail acharné. Nous avons déjà attiré l'attention sur plus d'une dizaine de dysfonctionnements graves et aujourd'hui, rien n'a changé. Sexe, scandale, corruption des élites, c'est l'enquête de la foire. C'était il y a une année. De courageux journalistes dénonçaient l'absence d'alcotest à la sortie de la foire. On peut imaginer qu'il y en ait un ou deux qui passent entre les mailles du filet, c'est possible. Dans la foulée, nous prouvions que les animaux de la ferme étaient maltraités. Qu'il faut recoudre chaque morceau de peau. Ils sont déchirés, ils sont battus entre les oreilles des lapins, ils sont déchirés. Enfin, nous pointions du doigt les risques d'incendie à la foire. Je penserais quand même, en partant, de prendre des enfants qui auraient de la difficulté à faire face à la bousculade, très probablement. Et puis, je serais très attentif à des mamans qui portent un enfant en elles. Nos révélations ont eu la peau du directeur Raphaël Garcia, contraint de partir la tête basse. Seulement voilà, la nouvelle direction ne prend pas plus au sérieux les revendications de la population. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la situation ? Tout a été réglé cette année, les animaux de la ferme sont heureux dans l'espace d'ici. L'alcotest a été mis en place à travers le label Fiesta qui est notre hôte d'honneur cette année et la troisième question je ne me rappelle plus. Du côté de la police, même combat, circuler, il n'y a rien à voir. On est toujours présent, préventif, éducation, information préventive et puis ma foi il ne faut quand même pas prendre la bagnole. Pour changer les choses, il ne reste plus que la solution désespérée, s'adresser aux politiciens. Écoutez, alors personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Ça m'est égal parce que je prends le train. Rien n'a changé. Ça vous scandalise ? Ça va. Je suis allé voir les animaux de la foire. Ils ont l'air extrêmement malheureux derrière leur grillage. Est-ce que ça vous touche ? Ah, vous savez que tout le monde le sait bientôt que j'ai un magnifique Saint-Bernard. Alors c'est vrai que ces animaux, ben, j'ai toujours une attention particulière. Ça va vous parler, vous êtes de gauche. Les animaux de la ferme sont maltraités. Rien n'a changé en une année. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le rapport avec le fait que je sois de gauche ? Ça n'a rien à voir. Ça va vous parler, vous êtes vert. Les animaux de la foire étaient maltraités. Une année après, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Il y a toujours des animaux à la foire. Et je pense qu'on peut avoir une sympathie aussi pour une forme d'écologie responsable et puis avoir dans le cadre d'un soutien aux animaux, une passion. Et c'est vrai que j'ai découvert cette passion avec mon Saint-Bernard. C'est un plaisir. Il m'apporte beaucoup et c'est ça que je retiens. Et ça n'a rien à voir avec des idées politiques. The moon is beating on this town, on the silent streets and all around. La conclusion s'impose comme une évidence. Les élites du canton perdent leur temps à lutter contre la fraude fiscale ou les magouilles des petits copains. Par contre, quand il s'agit de faire des alcotests ou de se soucier des animaux, il n'y a plus personne. Encore un mystère résolu par les enquêtes de la foire. Santé et à demain.